BFM Business, Intégral Placement, idée de fond. La gestion collective que l'on passe au crible grâce à Morningstar et Thomas Lancereau avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour Cédric. Vous êtes le responsable de l'analyse des fonds chez Morningstar et ce matin, vous nous parlez des fonds d'allocation prudente, c'est ça ? Oui, une catégorie de fonds pertinente dans le contexte de marché chahuté, mais qui intéresse aussi des investisseurs de plus long terme qui ont une faible tolérance au risque et qui veulent quand même bénéficier un peu du dynamisme des marchés actions sans en subir toute la volatilité. Bon, soyons très concrets, Thomas, qu'est-ce qu'on trouve dans ces fonds d'allocation prudente et à quoi il faut prêter attention ? Eh bien, Morningstar les définit par rapport à leur degré d'exposition au marché actions, qui est limité à 35%. Comme pour toutes les catégories d'allocation, nous distinguons les fonds qui investissent essentiellement en Europe de ceux qui s'exposent à l'international. Ces fonds permettent aux investisseurs donc de s'exposer à plusieurs classes d'actifs à travers un seul véhicule, des actions, des obligations bien sûr, mais aussi éventuellement des matières premières, voire dans certains cas des stratégies alternatives. Alors on compte aujourd'hui près de 400 fonds d'allocation prudente enregistrés à la vente en France et donc un minimum de sélection s'impose. Il faut notamment regarder sur quel marché le fonds investit concrètement. On peut maintenir une allocation aux actions inférieure à 35% et obtenir un risque très différent selon que l'on investit sur des marchés émergents ou uniquement des grandes capitalisations européennes. De même, sur l'obligataire, votre risque va varier considérablement entre de la dette publique américaine, par exemple, ou des emprunts privés à haut rendement. Et puis, comme toujours, il faut faire attention aux frais qui doivent être d'autant plus raisonnables que l'essentiel du fonds va rester investi en obligations où, comme vous le savez, les rendements sont faibles et peuvent être rapidement grignotés par des frais trop élevés. Et du coup, ça donne quoi en termes de performance ? Eh bien, c'est plutôt intéressant. Tout d'abord, on observe sans surprise que sur 3 ans, c'est-à-dire dans des marchés actions globalement haussiers, ces fonds ont sous-performé sans surprise des fonds flexibles. En revanche, dès que l'on observe des périodes plus longues de 5 et 10 ans par exemple, qui incluent donc des marchés baissiers comme 2008 et 2011, eh bien, l'avantage revient aux fonds prudents. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que dès qu'on s'intéresse aux risques, notamment à la volatilité, en regardant le ratio de Sharpe qui est une mesure de la performance ajustée de la volatilité, eh bien on constate que, quelle que soit la période considérée, ces fonds prudents ont fait mieux en moyenne que leurs homologues de la catégorie flexible et même mieux que l'indice CAC 40. Alors évidemment, ce sont des moyennes et l'on observe au sein de ces catégories des dispersions de performance qui sont importantes et qui impliquent donc pour l'investisseur de faire attention à la sélection des fonds. Bon, alors justement, la sélection, c'est aussi un peu votre business, votre métier, votre expertise dans vos bases. Qui vous pouvez mettre en avant finalement, qui vous avez envie de distinguer dans cette famille de fonds ? Alors, nous avons identifié 2 fonds dans les catégories d'allocation prudente qui bénéficient d'une note des analystes Morningstar positive. Tout d'abord, le fonds NN Patrimonial Défensive, anciennement ING Patrimonial Défensive. C'est un fonds qui est noté bronze et qui bénéficie d'une gestion collégial par une équipe stable et expérimentée. Il s'agit en fait d'un fonds de fonds qui est essentiellement investi en fonds maison et qui s'est illustré par la grande régularité de sa surperformance. Et puis, deuxième idée, évidemment, Euros, un des fonds phares de DNCA qui est noté Silver. Le fonds est co-géré par les très expérimentés Jean-Charles Mériot et Philippe Champignol. La sélection de titres actions est plutôt, comme vous le savez, orientée value, tandis que sur les obligations, les gérants arbitrent entre dette publique et emprunt privé, y compris sur le AI en ayant tendance néanmoins à favoriser les maturités les plus courtes pour ne pas empiler les risques. Là aussi, le fonds a produit une très bonne surperformance régulière sur le long terme. Merci beaucoup Thomas Lancereau depuis Morningstar.